Bonjour à tous, je m'appelle Anne-France Huré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je fais partie aussi de la team des psychologues interculturels sur Instagram et cette semaine je vous propose un podcast en lien avec le couple. Alors je voulais vous poser une question. Est-ce que dans votre couple, vous faites des activités toujours en commun ou cela vous arrive-t-il de faire des activités séparément de votre compagnon ou de votre compagne? Première question. La deuxième question, si éventuellement vous avez envie de faire des activités séparément de lui ou d'elle, est-ce que vous les réalisez ces activités ou est-ce que éventuellement vous avez peut-être des doutes, des craintes, des peurs inconscientes concernant le fait de faire une activité sans lui ou sans elle? Essayez de lister justement ces inquiétudes, ces doutes, ces peurs inconscientes afin d'en prendre conscience justement petit à petit en les listant. Et par la suite, essayez de discuter avec votre compagnon, votre compagne, pour justement pouvoir vous rassurer. Car c'est bien de faire des activités en commun dans le couple, mais c'est aussi bien aussi d'avoir des activités séparément de lui ou séparément d'elle. Voilà pour le podcast sur le couple. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas de prendre soin de vous.